milieu de ses frères. Tout le monde ayant la haine au point de le jeter même dans le puits. Et à un moment j'ai vu son grand frère parmi les autres qui crie « Sauvons la vie de notre frère ». Au lieu de les tuer, vendons-les là-bas en Égypte. Ce qui a été une solution de sa part. Mais jamais il n'avait déclaré, moi je prends la place de Joseph. Oh, 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 mes amis. Il avait la bonne pensée, mais jamais la pensée de remplacer son frère dans son malheur. Il l'a laissé portant lui-même sa croix, passant de Potiphar jusqu'à la prison, mes amis. Qui pouvait prendre la place de Joseph? Oh, 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 le chemin, le chemin, le chemin de la croix, un chemin dont chacun a sa réalité. On peut te consoler, mais jamais te remplacer. À chacun son chapitre. Moi j'ai compris que le chemin de la croix, un chemin dont chacun a sa réalité. On peut te consoler, mais jamais te remplacer. À chacun son chapitre. Ah Seigneur, je le crois. C'est la vérité, Seigneur. J'ai vu Étienne pendant qu'on l'a lapidé. L'histoire nous dit, Paul qui était seul à l'époque était là. Il avait aussi vu la scène, bien qu'il n'avait pas jeté sa pierre. Mais il n'avait pas pris sa place. Étienne a écrit tout son chapitre, Seigneur. On a la vidée jusqu'à la dernière pierre qu'il avait achevée. Qui est celui-là, ce compatissant, qui pouvait prendre sa place? À chacun son chapitre. Oh, le chemin, le chemin. Le chemin de la croix, un chemin dont chacun a sa réalité. On peut te consoler, mais jamais te remplacer. À chacun son chapitre. Mon malheur n'est pas le tien. Le chemin de la croix. Chacun a son histoire. Un chemin. On peut te consoler, mais jamais te remplacer. À chacun son chapitre. Oh mon Seigneur Jésus, je t'ai vu sur ce chemin. J'ai vu quand tu portais ta croix vers Golgotha. Il y a eu un noir qui t'avait aidé. Apporte ta croix, Seigneur. À toi on avait porté, Seigneur. Mais quand on arrive à mon tour, quand je dois porter ma croix, aucun mon père, même mon épouse ne veut m'aider. Chacun a son histoire et chacun a sa réalité. Tiens-moi par ta main, mon Jésus. Chaque fois que j'ai essayé de te tenir par la main, Seigneur, il y a toujours quelque chose qui me déconcentre. Ainsi j'ai résolu que toi-même qui as la main immuable, que tu me tiennes par ta main, mon Jésus. Car j'ai compris que ce chemin, oh, 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 le
le chemin de la croix, un chemin dont chacun a sa réalité. On peut te consoler, mais jamais te remplacer. À chacun son chapitre, mon pasteur a son chapitre, chemin, mon père a son chapitre, chemin, ma mère a son chapitre. C'est un chemin dont chacun a sa réalité. On peut te consoler, mais jamais te remplacer. À chacun son chapitre. Qui avait dit à Jean ce jour-là le chemin? Oh, oh, oh. Le chemin. Qui a dit à Job de prendre son malheur? Chemin, ah, dans chacun sa réalité. Ah, on peut te consoler, mais jamais te remplacer. À chacun son chapitre. Oui, Seigneur, je le sais. Je le sais, Seigneur. J'ai fini par comprendre que la chose s'est faite de cette manière-là. Job assis sur le cendre, peu importe les conseils qu'il avait reçus pour être réconforté, personne n'avait pris sa place jusqu'à ce qu'il a déclaré que mon Rédempteur est vivant. Il finira par s'élever. Et quand toi tu t'es levé, Seigneur, tu es celui qui avait remplacé au double. Tu es celui qui a restauré au double. Je crois, Seigneur, que le chapitre que j'ai ne va pas finir sur Job, sur le sang. Mais ce chapitre finira avec la restauration de tout au double. Je le crois de tout mon cœur. Le ciel, le chemin, le chemin, le chemin de la croix, un chemin dont chacun a sa réalité. On peut te consoler, mais jamais te remplacer. À chacun son chapitre. Ça a été difficile. Le chemin de la croix. Un chemin dont chacun a sa réalité. On peut te consoler, mais jamais te remplacer. À chacun son chapitre.